Et bonjour tout le monde, c'est Rix Project et on se retrouve pour la suite et fin peut-être de Scorn. Donc on a quitté la banlieue, en fait c'est littéralement ça, on a quitté la banlieue où il y a les travailleurs, on est arrivé chez les esthètes où tout tourne autour des fesses. Ah non, je suis désolé mais c'est totalement ça. Mais qui irait faire une décoration comme ça quoi? Je sais pas. Je viens de voir où elle met ses jambes. Ah oui, quand même. Souplesse. Ouais, c'est une bite. Bon, voilà. C'est quoi cette horreur ici? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a un truc qui a vraiment merdé en fait sur cette planète. Mais quoi? Ah, et là ils sont en train. Ce serait pas pour YouTube. Je pourrais parler sans filtre, je vous jure. On est des vrais hommes ici, on est des bonhommes et on est graveleux. Hein. Je vous jure, ce serait. Un beau petit boule. Ça c'est joli quand même. Je parle pas des trucs, des cocons dégueulasses. Hein. Je parle de la lumière avec les petits trucs qui tombent, tout ça, c'est cool. L'enregistreur tourne bien, moi. Ouais, il tourne, ça. C'est plutôt classe. C'est très particulier dans le... En fait, j'essaie de comprendre l'histoire, du coup, de cette population, hein, parce que c'est ça, il y a une histoire à la population. Il y a une histoire de... Du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils avaient atteint un stade technologique qui faisait que... Est-ce que c'est un temple? Pas de la débauche, mais de la reproduction? Un temple du cul? Parce que je dis, c'est pas de la débauche. Ben, si à la reproduction, on fait pas une pipe pour se reproduire, ou alors peut-être qu'ils le faisaient eux, j'en sais rien, peut-être que c'est par la bouche que ça se fait. Je sais pas, me demandez pas, je suis perdu. Oh, y'a Cthulhu! Putain, y'a une référence à Cthulhu! Parce que je suis désolé, hein, mais. Une grosse tête des. Ah, c'est une référence à Cthulhu, ça! Ça par contre, c'est du gigeur tout craché, vraiment, ça! Oh la déco, toi! La femme à droite, l'homme à gauche, c'est ça? Quelque chose qui empoisonne l'esprit et eux ils ne servent que de reproducteurs? Je sais pas. C'est un homme à droite, qu'est-ce que je raconte? Est-ce qu'ils avaient atteint un stade technologique en fait où. Non, c'est. Qu'est-ce... Je pensais à quoi moi? Ah oui! La décadence de Rome, par exemple, ce genre de truc. Est-ce qu'ils avaient atteint un stade de décadence de leur société? Ou est-ce qu'ils avaient un souci de reproduction? Je sais pas, c'est spécial. Ah! Ok, ça c'est pas... Oh! Je viens juste de rire. What? Ce sont pas des statues, ce sont des... Et c'est leur... En fait, c'est l'esprit de tous ceux qui étaient là avant, ça? Donc quand je dis une mémoire partagée, ce serait ça, ce serait vraiment ça? Oh mon dieu. Ah, c'est... Wow. Là, par contre, on a atteint un stade plus dans le jeu, là, c'est... Wow. C'est magnifique. Ah, les décors, je trouve, mais sublime. Les décorations, c'est... Bon, c'est tendancieux, ok. Les esprits mal tournés et tout ça, mais... C'est magnifiquement fait, c'est incroyable. Il y a vraiment quelque chose... La musique est très jolie. Ouais, mais tout tourne... Ça, c'est une matrice. Ce sont des matrices de reproduction, ça. Alors, il y a du sang sur celui-ci, il y a un truc de sang, là. Je vais d'abord explorer un peu. Wow, tension, là. Oh, le jeu, il déconne zéro.
Alors là, je peux rien faire. Ah, et les décorations. Mais en fait, c'est vraiment une civilisation qui s'est éteinte, quoi. Et du coup, nous, on est quoi? On est là pour tenter de relancer la machine? Je comprends pas. C'est triste d'une certaine façon, je trouve. Il y a une mélancolie. Ouais, bon, je vais arrêter de regarder les bits des mecs. Hein. Déjà, YouTube risque de me striker juste pour ça si ça tombe. Il y a des 7 bits! C'est dans un jeu, les gars. C'est pas un jeu family friendly. Et de toute façon, dans les options, est-ce que c'est fait, vos vidéos sont-elles faites pour les enfants? À chaque fois, je coche non. Je suis pas totalement abruti. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Mais what? Alors là... Ça c'est quoi? Je dois mettre le bras? Parasite! Aïe! Oh mon dieu, c'était pour faire quoi ça? Et je peux le refaire? Mais ça sert à quoi à part me défoncer le bras? Bon, ce qui est sympa, c'est que le parasite permet d'avoir une paire de bras supplémentaires. C'est quoi ce temps, non? C'est spécial tout ça, hein? C'est wow. Bon, déjà on va prendre ça. Oui. Qu'oui-je? Qu'entends-je? Il y a quelque chose. Mais du coup, que penser des autres trucs qu'il y a eu? Qu'est-ce que je dois penser du reste? C'est ça, ça le problème. Ouais, et donc je peux pas aller par là parce qu'il faut que je puisse atteindre... Oh, j'avais pas vu. Oh, oh putain de merde. Oh putain de... Coton de pinnipède. What the fuck? Je sais... Oh, punaise. Oh, mais c'est... Oh, je suis sur le fessier, là. Ah, il y a ça ici. Alors ça c'est... Ouais, c'est vraiment du... Alors attendez. Est-ce qu'il y a de l'explication alors par rapport à ça? Bon, mis à part que la femme est très souple et que le mec c'est un gros vénard. Putain d'enfoiré. Donc on a l'homme et la femme. L'homme à gauche... La femme à droite. Ils naissent. Et ils se reproduisent et ils font des... c'est un truc pour la reproduction, mais je comprends pas. Il y a un truc là-dedans. En fait, il y a un truc, il y a sûrement un message d'une certaine façon là-dedans. Alors, il y a la mort qui s'amène sur les deux déjà à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que je comprends pas, c'est pourquoi donc la femme on lui met sur le visage et la matrice. Là, on est d'accord. Et le mec, pourquoi c'est le visage et le pas le cœur, mais le c'est la poitrine, c'est le sternum là. Donc si, d'une certaine façon, on pourrait dire c'est le cœur. Je comprends pas, mais il y a un truc de boucle, mais il y a quelque chose, il s'est passé quelque chose d'horrible ici, c'est pas possible. Alors attendez, il y avait donc... C'est là que je sens que j'en ai marre d'être célibataire. Parce que dès que je passe devant les statues, je suis là, putain d'enculé. Un héros. Ne jugez pas, on a tous des besoins primaires. Alors...
Ça, il n'y a rien à en tirer. Ça non plus. Par contre, il y avait la statue. Voilà. Est-ce que je peux faire quelque chose avec? Non, en fait, c'est juste pour donner du liquide. Ok. Ok. Ok, ok. C'est juste ça. Donc ça doit aller dans une salle plus bas. Tout ça est un peu chelou. Un peu beaucoup chelou. Bon, par contre, on remarquera qu'au moins ici, c'est l'égalité homme-femme. Hein. C'est pas un truc où c'est le mec qui fait tout. Déjà de base, en fait, notre personnage est asexué, j'ai l'impression. Pourquoi je parle de ça? Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Je suis sur le cul. Le jeu, franchement, je suis sur le cul. Les mecs, ils ont fait un taf, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je dise de mal là-dessus? Je peux pas. Ce genre d'univers, j'adore. J'en boufferai pas tous les jours, hein. Mais pour une fois qu'il y a un jeu qui va à fond, quoi. Alors, ce serait là, peut-être? Voilà. Ça permet de passer ici. Je le sens pas. Je sens pas cet endroit pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a un gros machin là. Ah, oh, c'est une... Oh, l'horreur. Ah, oh, non, mais c'est une horreur, ça. Ah, oh, non. Ah oui, c'est l'espèce jockey, ça. Ça, avec la tête comme ça, c'est l'espèce jockey. C'est un charnier, mais qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Oh, attention. Oh, attention. Si il me permet de recharger, c'est pas bon signe. Alors, je suis à combien de santé? On va se remettre. On va se remettre à fond. Je sens pas. Du tout. De quoi remplir pas mal là encore, j'ai l'impression. C'est... Ah, oh, c'est dégueulasse ça par contre. C'est ignoble. Ce sont des matrices. Vous êtes sérieux, c'est une matrice ça? Je vais mettre ça où? Putain, me dites pas que c'est ça. Si. Oh. Je le sens pas. Je peux pas buter ce machin avant qu'il fasse une connerie parce que... Je sais pas pourquoi, je sens que c'est vraiment ça qui va arriver. Je sens vraiment que c'est ça en fait. Il va me défoncer la gueule. Ah, il y en a un troisième là. Oh, c'est ignoble. Je suis désolé pour le gros plan sur la tronche là, mais il manquerait plus qu'il va se... Ce serait... Ah non. Le cauchemar. Attendez, du coup, qu'est-ce que je vais faire là? Est-ce que je vais la porter comme ça?
Je comprenne en fait. Parce que là... Ah, il doit prendre des morceaux pour se... What? Ouais non, là je sais. Là j'avoue, je ne sais pas trop. Est-ce que je peux le poser par terre quand je l'ai en main? Je pense pas, hein. Ce serait un peu trop facile. Non, je peux pas. Donc je vais le reposer là. Moi je vais aller check. Je peux pas le récupérer. Donc il y a un truc qui cloche. Truc qui cloche et malheureusement je sais pas quoi. Est-ce que j'ai... Je me suis pas softlock, c'est pas possible, c'est le genre de jeu, on peut pas se softlock. Enfin, je pense. Ça, on est d'accord, mais... C'est un truc pour voir. Ouais, c'est ça en fait. C'est quoi cette espèce de mini krang? You. Je fais quoi de ce truc maintenant là? Je fais quoi de ce truc? Je fais quoi de ce machin que je me balade pour les mains? Ayuto! Je fais quoi de ce machin? Ah, je le mets là-dedans, d'accord. Ah. Allez, rentre peut-être dans cette prise. Ça va être dégueulasse. Oh! C'est immonde. Oh non. Et du coup là par contre j'ai le sang à fond. Mais je fais quoi là? Donc du coup, là on va voir, est-ce que ce serait à l'étage en dessous? Pardon, on fait un petit rototo. Donc il y a
ça pour mon bras. Attendez. Je suis vraiment en train d'essayer de comprendre parce que là. T'es pas très intelligent ni très rapide à la détente. Hein. Ouais, ben. Hey. Chacun son truc. Et là, du coup, je peux faire quelque chose ou pas? J'avais toujours ça, d'accord. Et par contre, là, il y a des gens. Oh mon Dieu, je sens là, je sens venir le problème. Pardon. Là, je sens arriver le problème. Oh oh. Crank, pas d'accord. Oh, 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 oh là là là. Oh là là. Ouf. Oh. Relève-toi, connard. C'est dur que ça, ça va. En même temps, le jeu est pas conçu pour être comme ça. Quoi. Sortir de derrière ce truc en fait. Ouais, j'ai le contre-coup en fait. C'est bon ?
C'était tout? Fallait juste faire ça? Sérieux? Ça va? Bon, je vais peut-être faire le plein de munitions avant, ainsi que de santé. Voilà. Wow, ça va. C'est pas fait pour la baston, hein, le jeu. De toute façon, il n'y a pas calibré pour ça, donc. Réaction logique, il y a un truc qui brille. C'est forcément ça, il balance, il y a un pattern. Allez, énorme trou du cul. Santé. Ouais, j'ai pas pris un pas de dégâts quasiment. Mais le bestio, il est immonde. Oh merde! Relève-toi vite. Ok, je vois le truc en fait. Ouf! Ouais, non, là par contre. J'entends des trucs bouger, ça me déplaît. Et du coup, j'ai un lance-roquette. Lance-grenade, pardon. Oh. Big boom. T'as essayé de me buter, saloperie. Oh, c'est ignoble. C'est absolument abject. Oh. Par contre, c'est un Urgot version Eco Plus, hein, là. Par là. Allez, on va faire notre tambouille de bébé. Oh, c'est dégueulasse. J'ai le droit de regarder ailleurs, SVP. Non. C'est dégueulasse. Flingue, moi, merci, au revoir. Je peux le recharger. Qu'est-ce que j'ai de stock ici? Ouaf. On va prendre une balle, hein. On va tout vider au cas où, parce que si j'ai pu avoir ce truc-là, si ça tombe, il y en a d'autres. Est-ce que je peux le remplir une dernière fois? C'est suffisant. Puis full moon. Oh, c'est dégueulasse. Mais du coup, comment je vais faire pour passer la suite, moi, là? Parce qu'il me faut le... Il me faut ça, moi. Ah, attendez.
Ce serait ça. Oh, le parasite de merde. Ah, je sais plus changer, je suis obligé de garder le lance-roquette, le lance-grenade. Je sais pas me débarrasser du parasite. Sérieux? Ouf! Il tire plus vite celui-là, j'ai l'impression. Plus surtout. Le réflexe à la con pour le défoncer, c'était débile, ça a marché. Je dois pouvoir me débarrasser du parasite, c'est pas possible. Je me demande s'il y a plusieurs fins à ce jeu. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'espère que c'est la troisième et dernière fois, hein, je vous avoue, parce que là c'est vraiment ignoble. Et il faut absolument que je me débarrasse de ce bestiau. Ça devient de plus en plus dur là. Wow. Mais c'est scripté. Alors, je vais quand même essayer un truc. Hein. Je vais essayer un truc parce que là, c'est pas possible. Est-ce que si je vais tout en dessous, c'est pas par là, c'est l'autre. Si j'ai tout en dessous, que je vais à la machine, est-ce que je pourrais réussir à faire quelque chose pour le faire se retirer partiellement? Yes, c'est ça le truc. Ok, faire pousser le truc. Mais comme ça, j'ai pu... Comme ça, j'ai pu activer ça. Ça amène où? On va d'abord aller s'occuper du sang au-dessus. Oh, mais c'est ignoble, quoi. Ah ouais, mais je peux pas le mettre tant que j'ai cette merde. Oh la vache! On va faire ça. Attendez. Explorer un peu en avant. Ouais, vu que je peux. Oh la vache, d'accord. Ok. Ok. Mais il faut que je puisse mettre le truc de sang au-dessus. Donc je suppose que. On va essayer.
Non, ça repousse quand on, avant qu'on puisse sortir. Donc faut que je me débarrasse de cette saloperie. Donc pour ça... Primo. C'est quoi ces trucs qui passent? C'est dégueulasse. Ah ouais, la fenêtre de tir, elle est réduite. Maintenant. On va tenter. Vite. Alors là par contre il y a un bug. Enfin, bug. Ils n'ont pas modélisé la main parasitée. Il a la main normale pour interagir. Ou alors peut-être que le parasite laisse faire. Je sais pas. Ok, donc il y a ici. Il y a ici. Sauf qu'avec ma main, je peux pas. Les vraies dames. Toutes les positions. C'est vraiment une odeur fesse. Ah, mais je fais comment là? Oh la vache! Alors attendez, parce que. Le faire deux fois. Ça c'est chiant. Je peux vraiment pas me débarrasser du parasite en fait. Vite. Saloperie. Quoi ça ici? Je peux pas parce que j'ai ça. D'accord. Donc là, je dois clairement trouver une solution. Alors je vais devoir utiliser ouais, ma santé, j'en ai encore, ça va. D'ouvrir la porte de l'autre côté, puis on va aller faire ça comme ça. Et à mon avis, ça va être trop juste. Ouais, trop juste. Donc pour la pièce du fond, c'est peut-être un peu limite aussi. Mais on va essayer.
Moi, je suis mid-life, ça va. Je vais reprendre un coup. Ce qui est bien, c'est que comme il n'y a pas de créatures qui ne peuvent pas ici, on peut le faire très loin. C'est quoi ça du coup? Qu'est-ce que je dois faire? Oh mon dieu! Voilà, regardez, regardez qui est là. C'est ignoble. Oh, c'est dégueulasse. Donc c'est bien ça, c'est... Et qu'est-ce que je vais faire du coup là? Ah ouais, par contre j'ai boyau à l'air, moi. C'est... Putain, mais le parasite, quoi. C'est fou, c'est de se dire qu'en fait le parasite, c'est le premier perso qu'on a joué qui a été contaminé par je ne sais pas quoi. Donc il y a vraiment eu une merde en fait dans leur système. Mais quoi? On ne le saura probablement jamais. Quoi qu'il en soit, le jeu là. Je suis estomaqué. Hein. Oh mon dieu! Je suis estomaqué. Le jeu est vraiment. L'ambiance sonore, elle est folle. L'ambiance sonore, franchement, elle est folle. Très bien faite. L'ambiance globale est très bonne. Les effets. Allez, courage, mon vieux. Tu peux y arriver. Tu dois y arriver. Allez. Tu dois y arriver. Ton espèce compte sur toi. Je sais pas. En fait, je sais pas du tout quel est notre but. Je sais pas pourquoi on fait ça. Je sais pas. Et je suis sûr que le parasite, il va revenir à l'assaut parce qu'il est pas mort. Mais ce qui est ignoble, c'est quand même de dire c'est le parasite, mais on voit encore le visage de notre prédécesseur dessus, et les yeux qui bougent, etc. Est-ce qu'il a conscience de ce qu'il y a, de ce qui se passe, de ce qu'il est devenu, de ce qu'il fait? Il y aurait moyen d'en faire un long métrage, hein, ce truc. Ce serait peut-être un peu expérimental, mais il y aurait moyen. C'est un long métrage de toute façon. Ça, c'est un long métrage. Il faut que j'entre dans ce machin, je parie. Allez. Oh, c'est gore. Ah. En fait, il faut que j'entre là-dedans et je vais faire qu'un du coup de nouveau avec les. Je vais faire qu'un avec les autres et c'est peut-être ça. Il ne manque que moi pour. Ce serait la dernière pièce. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que de toute façon, c'est la dernière chose que je vais faire avant de claquer.
Donc le jeu en soi, en plus, la fin, c'est... J'ai pas de mots, en fait. Je le trouve vraiment génial. Ce jeu est vraiment bien pensé pour ça. Un point, c'est tout. En fait, il y en a deux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire renaître l'espèce grâce à deux nouvelles matrices, à deux nouveaux embryons? Et que c'était ça qui était mis sur le côté, en fait, du... de l'explication? Attendez. Je dois aller là-dedans, c'est ça? Non, c'est pas ça? Est-ce que j'ai merdé la fin? Est-ce que j'aurais dû aller de l'autre côté d'abord? Ouh, je... Non, finalement, on sait bien, on avait bien... Ah d'accord. Va falloir que je le masque au montage, ça. Un avatar? Bah, avatar, vous comprenez ce que je veux dire. Oula, oula. Oh non. Voilà, et donc... Oh, c'est ignoble, c'est comme... Et donc, je suis devenu quoi? Que suis... Ah, je suis ça! Je suis dans un de ces nouveaux corps. C'est fini. Parce que j'ai amené le parasite jusque là et même si je m'en suis débarrassé un temps, il va venir prendre... Alors c'est dégueulasse hein, mais... C'était moi. Voilà, c'est dégueulasse mais c'était moi. Et donc on est devenu ça, on est devenu un Adam et Ève ou quoi? Deuxième, qu'est-ce qu'il fout? Il reste là? Donc ça, c'est nous. On est ça. Il va falloir que j'aille me poser là-bas. C'est très particulier, quoi. C'est vraiment très particulier. Ah, je peux pas faire ça. Oh le con, dites pas que j'ai foiré un passage. Me dites pas que j'ai foiré un passage. Que j'aurais pu aller au-dessus ici et... Si vous me dites que j'ai foiré... Ah non, ça va, il y a le truc là à côté, d'accord. Énorme quoi, vous imaginez, en fait on fait tout ça et puis pour finir on se foire parce qu'on a mal joué. Classe la porte. On dirait des poumons avec la forme comme ça.
Attendez, en fait, il faut que je puisse être le deuxième, c'est ça? Oui, il faut que je change. Mais comment je fais pour changer? Comment je fais pour changer? Voilà, c'est ça le problème, c'est que le truc... pour changer, c'est où? Barre espace, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, maintenant on est deux. D'accord. Oh, c'est spécial. Est-ce que je peux faire... Non, il est là. Je vais le faire au cas où. Ok, il y a un truc que je loupe. Et je viens juste de voir le dos. Oh, c'est gore. Joli petit cul, mais c'est gore. Oh. Mais du coup, qu'est-ce qu'on doit foutre là? Avec ça, moi. Attendez, est-ce que je dois le déposer en fait sur un machin là? Je check. Non. Donc, je suppose qu'il faut que je la porte jusque là-bas. Alors, ce qui ignoble par contre, c'est qu'en fait, pour le maintenir en vie, il faut lui faire des incisions. En même temps, quand on voit le truc, les incisions et tout le reste ici, on comprend un peu.
Ah, donc il n'y a que moi, je suis le seul à pouvoir avancer. L'autre, il aurait resté là-haut. Oh, c'est quoi ce beat? Je peux pas faire. En fait, je peux plus avancer comme je veux là. Je peux pas non plus. En fait, je peux juste aller en ligne droite, d'accord. Et là, je peux plus. Ok. Je reviens. Dans mon nom de Dieu, la saloperie. Saleté de bestiole. C'est pas vrai, quoi. Si près du but échoué, c'est ça? C'est ça le truc, en fait. C'est... j'ai échoué, quoi. J'étais si près du but. Oh mon Dieu, c'est The Thing, ça, par contre, là. Oh, l'horreur. Il est même pas mort, il vit. Oh, c'est ignoble. Donc, ça devient ça, le parasite. Oh, c'est gore. Tout ça pour rien. Littéral, c'est du nihilisme pur, là. Oh, la vache. Toutes ces épreuves, tout ce chemin, échoué si près du but. Ce but étant, quel est ce but? C'est fou, c'est ça que je comprends pas. Une nouvelle naissance? Est-ce que ce serait ça, une sorte de... une allégorie pour une nouvelle naissance? Et ça finit comme ça. Et on recommence un cycle, en fait. Bah écoutez, je sais pas trop quoi dire, en fait, là. Je sais pas trop quoi dire parce que en fait, c'est vraiment pas un jeu, c'est vraiment une expérience, tout court. Mais la fin, quoi, la vanité de l'existence? Je sais pas si vous... En fait, je sais pas si j'extrapole, si vous voulez vraiment mettre un message profond là derrière et tout ça. Mais ce qui est clair, c'est que sur la fin, on voit qu'il y avait une sorte de culte. Enfin... Je sais pas expliquer. On dirait qu'il voulait que leur esprit dépasse la physique, le corps physique, la matière. Mais où est-ce qu'on allait après? Est-ce que en fait on allait vers le paradis? C'est leur paradis. Et donc c'était la finalité, retrouver les autres de mon espèce. Parce que j'ai réussi des épreuves, ou un truc du genre. Je sais pas. Je sais pas du tout, mais ce qui est sûr, c'est que le truc est vachement bien fait. Donc le jeu,
enfin le jeu. Donc c'est, voilà, c'était Scorn. C'est dégueulasse. La fin est gore, mais gore. Et on, ça retourne le cerveau, à mon avis. Je vais devoir aller voir si un truc, s'il y en a qui ont essayé de faire une analyse du jeu ou quoi. Mais c'est wow. C'est wow. C'est wow. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas on n'a pas la liste de ceux qui ont des développeurs à la fin. Je me suis dit, bon, on va avoir la liste déroulante avec le nom de ceux qui ont travaillé dessus. Même pas. Donc c'est vraiment, c'est très particulier. C'est vraiment spécial. Bah écoutez, alors perso, j'adhère, j'aime beaucoup le truc, la fin, moi je suis sur le cul, je suis vraiment là, what, qu'est-ce que je viens de voir, qu'est-ce qui s'est passé, oh voilà, littéralement. Maintenant, je comprends que ça ne convienne pas à tout le monde, qu'il y en ait qui trouvent que c'est pas merdique, hein. Loin de là, je suis désolé, le jeu, il est dingue, il est vraiment très bien fait, c'est pas un triple A, le graphisme, graphiquement, c'est franchement bon. L'ambiance, elle est dingue. Les lumières, les effets, le... Je sais pas expliquer, c'est vraiment les effets de lumière, les décors, tout ça, c'est incroyable. Les mecs ont vraiment fait un taf magnifique. Le reste, c'est secondaire, limite. Tellement c'est ouf. Mais histoire, je comprends rien. je sais pas, il y a sûrement différents niveaux de lecture ou quoi. Je sais pas. Mais j'ai adoré. Franchement, le jeu, moi, j'adhère. 100%. Bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Hein. Du coup, voilà, je vais aller chercher pour comprendre le jeu, parce que là, si je suis sur le fion, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais bon, allez, c'est là-dessus qu'on se quitte, voilà, j'espère que ce let's play vous aura plu, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, s'abonner, tout ça, voilà, je le dis rarement, mais on sait jamais, plutôt au début que j'aurais dû dire ça, parce que je sais pas si grand monde aura fini la vidéo, si c'est le cas, merci d'être venu, jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine, donc, ciao.